Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je n'ai pas peur, je garde confiance. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité. Je veux chanter pour lui, je veux jouer pour lui. Compte sur lui, sois fort, reprends courage. Le Seigneur est notre lumière et il nous sauve. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Alors le cœur joyeux, chantons et célébrons les louanges de ce Dieu. Gloire à Dieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu.
Seigneur, nul n'est comme toi, rien n'est égal à ta beauté. Alors nous voulons simplement nous approcher de toi, nous humilier devant toi, t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Liberté religieuse, liberté d'expression, liberté de conscience, ce sont des thèmes dont nous entendons parler, qui nous interpellent, qui interpellent notre société, mais qui interpellent notre Église depuis bien longtemps. Je demandais à John Graz, quand est-ce que notre communauté s'est intéressée pour la première fois à la notion de liberté religieuse ? Les premières actions, c'était déjà dans les années 1850. Et la première association créée, c'était en 1889. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour adorer Dieu et aussi pour écouter Dieu, pour le remercier sur ce thème-là. Pour introduire ce moment de partage, d'adoration, je voulais que nous puissions réfléchir à qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse à travers une courte vidéo faite par une équipe suisse. Et ensuite, regarder deux vidéos qui se contrastent un petit peu, deux types d'esplanades. Une esplanade que l'on connaît, l'esplanade des mosquées à Jérusalem, et aussi l'esplanade des religions en région parisienne. Alors je vous invite à regarder ces trois vidéos. Thank you.
scène de panique dans la vieille ville de Jérusalem. Les policiers israéliens viennent d'entrer sur l'esplanade sacrée pour empêcher les affrontements entre juifs ultra-orthodoxes et manifestants palestiniens. La police est même entrée à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Selon elle, des émeutiers barricadés dans l'édifice l'auraient attaqué. Certains policiers sont blessés. À l'origine de ces tensions, le statu quo autour de l'esplanade des mosquées appelé Mont du Temple par les juifs. Depuis le conflit de 1967, juifs et musulmans peuvent s'y rendre, mais les juifs n'ont pas le droit d'y prier, ce que contestent les radicaux ultra-orthodoxes. Des heurts similaires avaient déjà eu lieu en novembre dernier. L'État hébreu avait pris la décision rarissime de fermer l'esplanade, provoquant même une crise diplomatique avec la Jordanie en charge du lieu saint. L'esplanade des mosquées est un lieu particulier. C'est ici qu'ont commencé les deux premières intifadas. Une mosquée, un monastère bouddhiste ou encore une pagode taïwanaise, située à quelques mètres seulement. Un projet unique en France, imaginé par l'ex-maire de Bussy-Saint-Georges pour faciliter le dialogue entre les communautés. L'exemple ici, c'est la mosquée. Terminée il y a à peine plus d'un an, elle accueille chaque semaine plus de 500 fidèles pour la prière du vendredi. Ici, on est dans la salle de prière. C'est là où on fait nos prières quotidiennes. Pour ces responsables religieux, la proximité des autres lieux de culte est devenue naturelle. Ce n'est plus exceptionnel pour nous, ça fait partie du quotidien, c'est normal. À l'origine, l'esplanade devait aussi accueillir une synagogue et un centre culturel, ici sur ce terrain en friche, juste à côté de la mosquée. Mais faute de dons, elle n'a toujours pas pu être construite. Alors en attendant, les membres de la communauté se réunissent un peu plus loin dans ce préfabriqué. Nous avons décidé d'acheter la parcelle collée à la mosquée, car c'est un symbole très fort de paix entre les peuples, entre les religions, de prouver qu'on peut vivre les uns à côté des autres, chacun avec notre foi. Le seul bémol, l'église, située à quelques centaines de mètres de l'esplanade. Un éloignement qui n'empêche pas les liens avec les autres communautés. Dans cette église, le dimanche, il y a des gens du monde entier qui sont là, et donc des gens qui ont l'habitude de rencontrer d'autres religions, d'autres cultures. Un centre paroissial devrait s'installer tout près des temples bouddhistes. Liberté religieuse a besoin de chacun d'entre nous et je suis heureux que nous soyons nombreux ce matin à réfléchir ensemble et à s'engager ensemble pour ce thème-là. Je remercie les personnes qui sont venues nous rejoindre ce matin et aussi celles qui nous suivent sur Internet. Je veux saluer les personnes qui viennent des églises chrétiennes de la région, du groupe interreligieux de Saint-Julien, l'église évangélique internationale de Genève, l'église coréenne, l'église baptiste chinoise. Je veux également saluer les personnes qui ont été responsables au niveau de la liberté religieuse dans le passé et qui nous ont rejoints ce matin. Et nous avons aussi reçu des messages de soutien de différentes personnalités pour cette journée. J'invite la technique à montrer donc certaines de ces personnalités qui ont voulu nous soutenir. Le professeur... Je vais prendre le micro.
le professeur Heiner Bielefeld et le rapporteur spécial sur la liberté religieuse pour l'ONU. Il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui en raison de l'engagement professionnel. Cet après-midi, nous verrons une vidéo qu'il nous a enregistrée pour nous, ici à Collonges, avec le message qu'il veut nous communiquer. Nous avons reçu aussi des messages de l'ambassadeur Robert Seipel, qui est le président de l'Association internationale de la liberté religieuse, et le docteur Ganoun Diop, qui en est le secrétaire général. Et le docteur Diop est bien connu. Ici à Collonges, il a été lui-même professeur à la faculté de théologie. Et voici le message qu'il nous a envoyé. « Chers amis réunis à Collonges sous sa lèvre, mes meilleurs souhaits depuis le Mexique, où avec les autorités politiques et religieuses, nous célébrons le même don de la liberté religieuse. Que la liberté en Christ suscite ou ravive en chacun d'entre vous l'espérance d'une meilleure humanité, dans laquelle la dignité et la valeur infinie de chaque personne soient affirmées sans équivoque ou condition. Que l'amour de la vie de chaque personne, créé à l'image de Dieu, triomphe de l'obscurantisme, de l'ignorance des desseins divins et du mépris des autres. Vive la liberté. » Cet après-midi, nous verrons également d'autres messages qui nous ont été transmis par des responsables au niveau de la France, au niveau de la Fédération, au niveau de l'Union. Nous aurons aussi des responsables au niveau de la Suisse romande, en la personne de Gianpiero Vassallo et de David Jena. Mais je voulais également ajouter autre chose. La liberté religieuse, ce n'est pas simplement l'affaire de personnes intéressées ou de spécialistes, parce que ceci ne suffira pas. C'est aussi l'affaire des enfants. Et je vais inviter déjà 6 enfants à me rejoindre, ou 6 jeunes à me rejoindre. Déborah, Océane, Maya, Maïli, Lefika et David. Voilà, vous pouvez bien montrer vos drapeaux, et puis 3 d'un côté et 3 de l'autre. Voilà, tiens, Maïli, tu vas rester de ce côté, et Maïli, tu vas de l'autre côté. Voilà. Voilà, merci. Vous avez remarqué que depuis un certain nombre de mois, nous voyons davantage de drapeaux. Jusqu'à présent, les drapeaux, c'était quoi, pour les matchs de foot, pour les Coupes du Monde, où on en voyait aux fenêtres et aux balcons. Et puis maintenant, ou des fois pour les commémorations, bien sûr, ou devant les monuments aux morts, devant les mairies. Mais le drapeau, maintenant, est utilisé aussi pour exprimer des valeurs. Valeurs de liberté, valeurs de tolérance, valeurs de la République. Et nous remercions les enfants d'être là avec le drapeau de leur pays. Alors, il y en a certains que vous connaissez bien. Je ne vais pas vous faire l'affront pour le drapeau français et suisse. Hein ? Et sinon, Maya, tu vas nous dire de quel pays ? Italie. Italie. Et Maïli ? De Madagascar. L'Afrique du Sud. Alors, montre-le bien, parce que là, il est de côté. Voilà. Et puis David ? Roumanie. Voilà, merci. Mais Océane voulait qu'on montre un deuxième pays. Hein ? C'est celui-ci. Parce que la Suisse, c'est son pays d'adoption. Alors, vous reconnaissez, hein, c'est le Burkina Faso. Chacun de ces drapeaux exprime le parcours d'un pays en lien avec la liberté religieuse et la liberté de conscience. Et c'est vrai que ces parcours ont une histoire différente, ont une façon différente d'appréhender cette situation de liberté. Je pense que nous pouvons tous ensemble prier pour remercier Dieu pour la liberté que nous avons, mais aussi pour ce qui est fait par les dirigeants. Alors je vous invite à vous mettre maintenant dans la position qui convient, à genoux, ou debout, ou assis, pour prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, ces drapeaux représentent également des choix, des valeurs, des combats pour la liberté religieuse. Nous ne voulons pas le faire d'une façon humaine, mais en écoutant quels sont tes projets de respect du choix de chacun
et pouvoir apprendre de toi ce matin. Nous voulons être à ton écoute. Merci Seigneur pour la possibilité que nous avons de nous réunir librement ici, sans risque d'être inquiétés. Merci pour les pays représentés par ces drapeaux où il y a davantage de liberté. Mais nous pensons aussi à certains pays où il y a encore des personnes persécutées, des personnes en danger, des personnes emprisonnées pour leur choix de foi, leur choix, leur conviction, quelle qu'elle soit. Seigneur, nous te prions également pour notre façon d'être avec la différence des personnes que nous croisons, qui pensent, qui agissent autrement que nous. Transforme nos cœurs afin que nous puissions avoir le regard de Jésus envers chacune de ces personnes-là. Seigneur, nous te prions aussi pour les personnes qui ont la charge de gouverner, de diriger, qui ont des choix très complexes. Que ces personnes puissent être interpellées par des personnes qui sauront leur montrer vers des choix justes. Que ton esprit agisse auprès d'elles également. Seigneur, je te confie chaque personne présente parmi nous ce matin, chaque personne qui est avec nous par Internet, que dans ce temps de culte, ce soit à ta gloire et pour recevoir ta grâce et ton amour. Par le nom de Jésus. Amen. Voilà. J'invite maintenant les autres enfants à nous réunir sur l'estrade avec Erika pour l'histoire pour les enfants. Et les drapeaux, vous pouvez les rapporter devant sur le banc. Voilà, donc les enfants, venez. Bonjour les enfants, vous allez bien? En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Matthieu. Matthieu, il va vivre quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez pourquoi? Non? Parce que c'est la première fois qu'il va manger à la cantine. Est-ce qu'il y en a ici qui mange à la cantine le midi? Avant, mais plus maintenant, oui, au fond on en a. Et bien Matthieu, il se réjouit parce que c'est la première fois qu'il va manger à la cantine et en même temps, il est un petit peu inquiet, il ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est vrai, il a l'habitude que maman soit là pour l'aider, elle prépare tout. Et du coup, maman se réjouit aussi pour Matthieu et se dit « Allez, t'es devenu un grand, maintenant tu vas rester toute la journée à l'école et le midi, tu vas manger à la cantine. » Il est parti, Matthieu, pour sa longue journée. Et de retour le soir, maman s'impatiente de le voir rentrer pour lui demander comment s'est passée cette journée, surtout comment s'est passé ce midi à la cantine. Et quand il rentre, maman lui demande « Matthieu, alors, comment c'était aujourd'hui ?»« Oui, ça a été. » « Eh ben dis donc, c'est un petit, ça a été, hein, vous trouvez pas ?»« Quand même, hein. » Alors, elle va voir Matthieu et là, elle le voit filer, courir dans sa chambre, s'enfermer. Mais elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle toque, toc, toc, toc. Matthieu, est-ce que je peux rentrer? Oui. Alors elle rentre et elle trouve Matthieu en pleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Matthieu se jette dans ses bras. Matthieu se jette dans ses bras et lui dit, maman, je veux plus aller à la cantine. Je veux plus aller à la cantine.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu ? Pourtant, tu te réjouissais tellement. Qu'est-ce qui s'est passé à la cantine ? Ben, tu sais, comme on fait d'habitude ici, ben, j'ai fait la même chose. Quand j'ai eu mon plateau, je suis allée m'asseoir à ma table et j'ai commencé à prier pour remercier Dieu comme on fait d'habitude. Et juste à côté, il y avait une table avec plein de garçons et je pensais que c'était mes copains. Ils ont commencé à tous rigoler. Ils ont rigolé, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh, mais regarde ce qu'il fait ! Il est en train de prier. Eh, mais tu fais ça chez toi, tu fais pas ça ici. Ça va pas ou quoi ? Prier quoi ? Prier un dieu ? Mais n'importe quoi ! Ah là là ! Et là, bah, je savais plus quoi faire et je sais pas, je comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non, mais non, Mathieu, tu n'as rien fait de mal. Pourtant, on s'est tellement moqué de moi. Et là, maman, elle était triste, elle savait pas. Elle se réjouissait tellement de cette première journée de Mathieu à la cantine et de voir comment ça s'était passé. Et elle voulait tellement le réconforter sans savoir trop comment faire. Et d'un coup, elle a eu une idée. Elle a dit, attends, Mathieu, ne bouge pas. Elle est descendue et elle est revenue avec quoi ? Avec son sac à main. Elle y a sorti son porte-monnaie et elle y a sorti... Qu'est-ce que c'est ? Un billet de 50 euros. Et elle lui a dit, Mathieu, est-ce que tu aimerais ce billet ? Est-ce que tu aimerais l'avoir ? Qu'est-ce que vous pensez que Mathieu a pu dire ? Oui. Vous avez une idée ? Moi, j'en ai une. Hein. Ah oui ! Ah oui, je le veux ! Et maman, elle fait, d'accord. Est-ce que tu le veux toujours ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit ? Bien sûr ! Il réfléchit. Ouais, je le veux toujours. Ok. La maman, ok. Elle l'écrase en plus par terre. Ouais, il a plus l'air très beau. Hein. Est-ce que tu le veux toujours ? Oui. Et pourquoi ? Maman lui demande, mais... Enfin, je suis désolée, mais c'est un peu moins attrayant. Parce qu'il n'est pas déchiré, et surtout parce que, oui, c'est toujours un billet. Et il a toujours la même valeur. Et elle lui a dit, Mathieu, tu vois, c'est la même chose. Dans la vie, il y a peut-être des gens qui vont nous froisser, qui vont nous abîmer parce qu'ils vont dire des choses qui ne sont pas gentilles. Il y a peut-être des situations qui vont être très difficiles et on va se sentir un petit peu comme ce billet de 50 euros, qu'on n'a plus de valeur. Mais la réalité, c'est que cette valeur, on l'a toujours aux yeux de Dieu et aux yeux des personnes qui nous aiment vraiment de tout notre cœur, de tout leur cœur. Ça marche ? C'était mon histoire. Et non. Comme nous l'avons vu, la liberté religieuse concerne des personnalités, des spécialistes, des personnes intéressées, les enfants, mais aussi les jeunes. Avez-vous remarqué combien actuellement les jeunes sont en première ligne pour tout ce qui concerne les questions de liberté, de conscience et d'opinion ? Alors je remercie Ophélia et Richard d'accepter d'expliquer un peu leur parcours en tant que jeune par rapport à la liberté religieuse. Alors déjà, Ophélia, si tu veux nous expliquer pourquoi tu t'intéresses à la liberté religieuse et comment ça a eu un impact sur tes choix. Merci Bernard. Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs et amis visiteurs. J'aimerais commencer par une petite citation de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Pour moi, la liberté religieuse, ce n'est pas seulement une conception juridique
ou simplement un aspect théorique, mais plutôt quelque chose de vraiment pratique. Pour moi, la liberté religieuse, ça signifie qu'on est totalement libre de pouvoir adorer notre Dieu en public, entre amis. En effet, on vit dans un pays où nous sommes libres d'appartenir à un mouvement religieux et libres aussi de parler de notre foi aux autres, que ce soit avec nos frères ou avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. On parlera d'évangélisation ou certains parleront de prosélytisme. Nous, on a la chance de lire la Bible, de pouvoir l'étudier, alors que c'était encore impossible dans notre pays il y a quelques siècles, où les héros de la foi devaient se cacher pour boire la source de vie qui est la Bible. Nous avons le bonheur de pouvoir nous réunir en toute liberté chaque samedi matin afin de glorifier notre Dieu et de partager. Toutes ces libertés que nous avons est une immense bénédiction étant donné que, dans de nombreux pays, être chrétien est un crime. Cette liberté implique aussi de respecter la liberté des autres et de ne pas vouloir imposer notre vision des choses, mais plutôt de travailler avec Dieu et d'être à son écoute pour pouvoir partager sa parole. Cette liberté religieuse n'est pas toujours facile à concilier avec les autres libertés ou bien à respecter quand il s'agit d'une autre religion que la nôtre, que ce soit avec un musulman, un bouddhiste ou simplement avec une autre branche du christianisme. En effet, je suis libre d'avoir ma foi et libre de l'exercer, mais parfois cette dernière peut être restreinte. Je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai eue à l'université l'an dernier. En fait, je suis à la fac et c'est une université qui est publique. Du coup, c'est la laïcité qui prône. Et on peut avoir des cours le samedi. Et l'an dernier, j'ai découvert que j'avais un cours obligatoire tous les samedis pendant tout un semestre. Et quand on a cours le samedi, on est obligé d'y aller. Et on ne peut pas arriver et prendre notre liberté religieuse. Écoutez, moi, je suis chrétienne, adventiste du septième jour. J'adore Dieu le samedi et je ne peux pas aller en cours. On ne peut pas avoir de dispense, c'est simplement impossible. Et du coup, j'étais paniquée, terrorisée à l'idée de me dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que si je n'assistais pas à ces cours, j'allais être défaillante pour mon année et ça impliquait que j'allais arrêter la fac et que je ne pouvais pas aller avoir mon année. Du coup, j'ai mis mon problème entre les mains de Dieu et je me disais « Seigneur, aide-moi ». La semaine qui suivit, j'ai quand même décidé d'assister à ce premier cours et je me disais « bon, la seule façon que j'ai, comme je savais que je ne pouvais rien faire avec l'administration, c'était d'aller voir directement cette prof, de discuter avec elle et entre quatre yeux et de lui expliquer ma situation et comment je pouvais faire pour trouver une situation alternative. Et j'ai quand même assisté au premier cours, c'était un samedi matin. À 8h, la prof arrive, fait sa présentation et avant de commencer à parler du cours, à rentrer dans le vif du sujet, elle nous parle du samedi. Et là, je me dis « ok ». Et elle commence à dire « Oui, je sais que pour certains d'entre vous, c'est assez compliqué de venir tous les samedis matins, d'assister aux cours, et d'autant plus difficile pour ceux qui ont une certaine appartenance religieuse. » Et là, je me dis « mais waouh !» C'est ce que je voulais lui dire. Et elle nous explique qu'on ne sera pas obligé d'assister à ses cours et qu'en contrepartie, il fallait qu'on lui rende le travail à faire le samedi matin, avant le samedi matin, qu'on lui rende le travail qu'on devait faire durant la semaine. Et là, je me dis, mais c'est simplement magnifique, quoi. J'ai même pas besoin, Dieu avait déjà préparé le terrain, c'était déjà tout fait, et du coup, le cours passe. Je vais la voir à la fin du cours, et je lui explique ma situation, et très compréhensive, elle me dit pas de problème, elle me donne son adresse mail, et pendant tout le semestre, j'ai pu lui rendre mes devoirs, et ce qu'il y a de génial dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure du semestre, c'est une des meilleures matières dont j'ai réussi l'examen et j'ai pu quand même réussir à assister à quelques cours, étant donné qu'il y a eu des changements et il y avait certains cours qui avaient été déplacés durant la semaine. Et je remercie énormément le Seigneur pour m'avoir permis, qui m'ait répondu à ma prière et de m'avoir permis d'assister à ces cours. Et je voudrais finir par la lecture d'un psaume qui me tient à cœur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, versets 5 à 7. Merci, Ophélia. Donc, la plupart d'entre nous connaissons Ophélia, qui est membre de l'église de Collonges Campus. Pour les visiteurs, donc Ophélia est étudiante en droit
Et merci d'avoir partagé cela. Par contre, vous connaissez probablement moins Richard, que j'invite à venir. Richard est d'origine italienne, allemande et japonaise, et il vit au Brésil. Enfin non, il est né au Brésil. Hein, il était effectivement sur le campus de notre université à Sao Paulo. Il a fait des études de piano, et comme il jouait bien, il a gagné toutes sortes de prix, des prix aux États-Unis, à Paris, et maintenant il a une bourse à Zurich. Donc il a déjà toute une carrière internationale derrière lui, et nous remercions Richard d'accepter aujourd'hui de participer à cette journée. En fait, pour lui, c'est une deuxième ou troisième journée. Hein, tu vas nous expliquer quels sont les liens que tu as eus avec la liberté religieuse. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un vrai honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors, je remercie d'abord à Bernard et à John pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir être ici et pouvoir parler un peu en français à nouveau. Ça fait toujours bien pour voir si je ne le perds pas. Le thème de la liberté religieuse était toujours très proche de mon cœur. Autant que musicien, autant que pianiste, bien sûr avec les voyages, les festivals de musique, les concours, j'ai eu le privilège et l'honneur de rencontrer de différentes personnes, de différents pays, avec ces différentes religions. Et ça m'a bien sûr apporté le plaisir de partager, le plaisir d'apprendre les uns avec les autres. Bien sûr, naturellement aussi, les situations pas toujours faciles à cause de ma décision de garder le Shabbat et pas jouer dans certains événements à cause de ça. Et ça m'a, depuis que je suis très petit, ouvert les yeux pour l'importance de le respect mutuel. Une fois que j'ai rencontré sûrement les réactions très diverses à ces principes, alors le plaisir, l'allégresse du partage de respect, par contre, dans d'autres événements aussi, l'opposition et la violence. Et si ce thème a toujours été très proche de mon cœur, c'était encore plus proche à 2012 quand j'ai remplacé, presque dernière minute, le traducteur pour John, quand il faisait ses rencontres avec le gouverneur de São Paulo. C'était un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Et juste après ça, en 2013, j'ai été nommé le chef de la chorale de l'Université Adventiste à São Paulo. Chorale qui a été sélectionnée justement pour organiser le premier concert pour la liberté religieuse. Donc si ce thème a toujours été important pour moi, de plus en plus, c'était important et je me réjouis de pouvoir être ici à nouveau dans un événement avec ce thème et je vous remercie de votre présence aussi. La lecture biblique d'aujourd'hui, c'est le chapitre 7 de Matthieu, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Je sonde l'univers, les
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté, alors mon âme veut s'écrire de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver à Collonges. C'est mon premier sermon en tant que retraité après 44 années au service de l'Église et je pourrais célébrer ce matin pratiquement le 51e anniversaire de mon premier sermon que j'ai fait ici il y a plus de 50 ans donc. Voyez, le temps passe. Il y a quelques années, un de mes grands amis, membre du gouvernement espagnol, me disait combien il admirait notre engagement pour défendre la liberté religieuse pour tous et partout. Mais il ajoutait une remarque intéressante qui m'a fait réfléchir. Il me dit, mais finalement, partout dans le monde entier, vous êtes partout minoritaire. Donc, c'est plus facile pour vous de défendre la liberté religieuse parce que vous êtes minoritaire, finalement, vous vous défendez vous-même. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous étiez majoritaire? Si, soudain, vous deveniez la majorité? Cette question, elle m'a fait réfléchir. Et j'aimerais y revenir ce matin. Vous savez, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs
de ce premier festival à Collonges. Aussi, j'ai beaucoup apprécié les témoignages qu'on a entendus. Et je voudrais vous dire que c'est presque un moment historique, car c'est la première fois qu'on organise, Bernard et William, qu'on organise un festival dans une église en France, et même, je crois, dans une bonne partie de l'Europe, un festival sur la liberté religieuse. Et c'est un événement qui se joint à beaucoup d'autres événements, puisqu'il y a eu environ 40 festivals dans le monde. Le premier a commencé en 1997, c'était à Rio. Et puis, les plus grands ont eu lieu ensuite à Luanda, au Pérou, au Brésil, en Colombie, au Mexique, à Madagascar. Et jusqu'à ce jour, environ 300 000 personnes ont assisté à cette célébration de la liberté religieuse sur les 6 continents. Et je dois dire qu'aucune autre organisation religieuse ou église a rassemblé autant de monde pour célébrer la liberté religieuse. Alors, quel est le contexte? Pourquoi est-ce qu'on essaye de célébrer de cette façon? Eh bien, j'ai voyagé dans pratiquement une centaine de pays, et dans un certain nombre de pays, j'ai vu ce que ça voulait dire ne pas avoir la liberté religieuse. Juste imaginez ce que serait votre vie ce matin si vous n'aviez pas la liberté religieuse. Et je me suis dit finalement, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement pour la liberté que j'ai? Et en visitant les pays là où on a le plus de liberté, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas intéressés par la liberté religieuse, et quand je leur demandais pourquoi, ils me répondaient parce qu'on a la liberté ici. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? On est libre, regardez, on est libre. Et je leur disais, merci pour ceux qui sont persécutés, ça leur fera plaisir. C'est pas parce qu'on a la liberté qu'on doit ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qu'on ne doit pas défendre, promouvoir cette valeur qui nous est si chère. Que serait notre vie sans la liberté religieuse? Pas d'église, pas d'école, pas d'institution, des persécutions pas seulement sur le sabbat, des exclusions, des discriminations, voilà ce que serait notre vie. Voilà ce qu'est la vie de centaines de millions de chrétiens. On dit qu'environ 200 millions de chrétiens aujourd'hui vivent dans des pays où ils sont persécutés ou discriminés. En fait, si on vous posait la question, où est-ce que vous aimeriez mieux vivre? En France ou en Corée du Nord? Est-ce que vous hésiteriez un certain temps avant de répondre? En Suisse ou en Irak? Si vous aviez le choix, en Suisse ou en Irak, au Portugal ou au Pakistan, en Belgique ou en Afghanistan, en Italie ou en Iran, en Espagne ou en Somalie. Et pourtant, vous n'avez pas fait grand-chose pour en être ici. Pensez à tous ceux qui sont nés dans le mauvais pays, où ils n'ont pas de liberté. Ils rêvent de vivre dans un pays comme le vôtre. Alors je me suis dit, mais si c'est si important cette liberté, et du fait qu'on n'a rien fait pour l'obtenir, on l'a reçue comme un cadeau, alors qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un cadeau? Quelle est la première réaction quand on reçoit un cadeau? Quelqu'un vous donne un cadeau, vous n'avez rien fait pour le mériter, mais vous le recevez, vous êtes content, qu'est-ce que vous faites? On dit merci. Et voilà la raison du festival, c'est de dire merci. Merci pour la liberté religieuse. Merci. Merci à Dieu, premièrement, mais merci au pays dans lequel je vis, au pays qui me donne et qui protège cette liberté. C'est pourquoi ce matin, nous avons vu les drapeaux. Et oui, merci à la France. Merci à tous ceux qui ont donné leurs larmes et leur sang pour cette liberté que j'ai aujourd'hui. Et il est temps maintenant à nous de la défendre et de la promouvoir. Alors, pour revenir à la question, si nous étions la majorité, est-ce que nous défendrions encore la liberté religieuse? Très bonne question. Parce que souvent, les minorités persécutées, quand elles deviennent majoritaires, persécutent. C'est toute l'histoire du christianisme. Persécutées pendant 3 siècles et persécutant les autres pendant plus de 1000 ans. Alors, quelle serait notre réaction?
Je sais que certains me disent, si on était la majorité, ce serait certainement une dictature de type calviniste, Genève sous Calvin, voilà le résultat d'un pays qui serait complètement adventiste. Moi, j'ai toujours réagi un peu contre cette réaction, parce que je me dis que même si on était 94% d'une population, 94% d'adventistes dans un pays, je pense qu'on est tellement individualiste qu'on aurait non pas une dictature, mais une multitude de partis opposés qui passeraient leur temps à discuter. Et le grand problème ne serait pas la dictature, mais ce serait comment arriver à former un gouvernement majoritaire. Il y aurait, par exemple, les partis des adventistes conservateurs, évidemment les adventistes libéraux seraient représentés. Il y aurait les adventistes du milieu de la route, les adventistes purs végétariens, les adventistes végétariens mais qui mangent du poisson, les adventistes vrais de vrais, purs purs, les adventistes du commencement, les adventistes de la fin. Enfin, nous ne manquons pas d'imagination. Et le problème serait vraiment comment on peut vivre ensemble en étant si diverses. Mais revenons à l'exemple. Qu'est-ce qui se passerait si nous étions 94% de la population dans notre pays? Est-ce qu'on serait toujours pour la liberté religieuse des autres? Alors je corse un peu l'exemple et je dis, imaginez, nous sommes une grosse majorité, un peu. Et puis ce matin, nous aurions dans l'église, au quatrième rang, le président du pays, de l'autre côté, le ministre de l'opposition, le premier ministre, le président du Sénat, un peu comme en Jamaïque quand on a un festival de la liberté religieuse. On a presque tout le gouvernement dans la salle. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Est-ce qu'on serait toujours pour la liberté? Je pense que oui. Je pense que oui, on serait content d'être pour la liberté, et on serait même content d'être les champions de la liberté religieuse. Mais maintenant, corsons un peu l'histoire. Imaginez qu'il y a des missionnaires qui viennent dans notre pays, à 94% adventistes. Des missionnaires, ils viennent de différentes religions. Il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, il y a des catholiques, il y a des mormons, il y a des bouddhistes, il y a des hindous, il y a des musulmans. Et les missionnaires viennent dans notre pays, bienvenue, puisque nous sommes les champions de la liberté, bienvenue à tous. Mais, évidemment, ils sont missionnaires. Alors, ils commencent à évangéliser. Et on voit que leur évangélisation a un certain succès. Ils commencent à construire des églises, des temples, des mosquées. Et là, on les regarde et on commence à être un peu inquiet. Et on se demande s'il ne faudrait quand même pas faire quelque chose. Regardez, on ne peut pas laisser les choses se décomposer comme ça. Et en plus, il y a des gens qui nous quittent et qui rejoignent ces nouvelles religions et ces nouvelles églises. Est-ce qu'on est toujours pour la liberté religieuse? Pour tous et partout. Mais ce n'est pas fini, attendez. Et qu'est-ce qu'ils font, ces missionnaires et ces nouveaux convertis, quand ils organisent des grandes campagnes d'évangélisation? Un peu comme celle qu'on fait un peu partout dans le monde, là où on a le droit, avec des grandes affiches. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prétendent que le vrai jour du repos, c'est pas le samedi, c'est pas le sabbat, c'est le dimanche. Et ils le font en public. Et il y en a même qui le disent à la télévision, dans notre pays, à grande majorité chrétienne. Ensuite, ils disent que ce que nous croyons est une hérésie. Ils disent qu'ils font des rapprochements très indélicats avec la Babylone de l'Apocalypse, avec l'Antichrist, avec les faux prophètes, etc., etc. Et en public, dans notre pays, où nous avons la grande majorité. Alors, frères et sœurs, chers amis, serions-nous encore pour la liberté religieuse dans ce cas-là? Ou est-ce que nous essaierions de protéger nos privilèges, nos valeurs? Nous essaierions de voter des lois restrictives sur les visas, par exemple. Tous ces missionnaires, il faut commencer à mettre de l'ordre. Ou sur la construction de nouveaux lieux de culte. Pourquoi tant d'églises? Pourquoi? Comme on avait dit une fois à Timor-Est, alors que je discutais avec
l'un des chefs du gouvernement, en faveur de la représentation de nos églises, des églises minoritaires dans leur pays. Et il me regarde et il me dit, mais vous savez, ici on a assez d'églises, on est tous catholiques, on n'a pas besoin d'autres églises, ça suffit, on en a assez. Est-ce qu'on n'aurait pas la même réaction? Ou au pire, est-ce que nous encouragerions la formation de milices de défense de la vraie religion qui, de temps en temps, brûlerait un temple, une mosquée ou une synagogue? Alors ma question, si nous étions la majorité, est-ce que nous serions encore en faveur de la liberté religieuse? Et ma réponse, c'est oui, nous serions en faveur de la liberté religieuse, même si elle doit nous coûter. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que en défendant la liberté religieuse, nous défendons les droits de l'homme. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme définit la liberté religieuse sans équivoque. Deuxièmement, parce que en défendant la liberté religieuse, nous reconnaissons qu'elle est une mission prophétique de la part de notre Église dès l'origine de notre histoire. Ellen White écrit que la bannière de la vérité et de la liberté religieuse confiée aux apôtres nous a été transmise. Ensuite aussi parce qu'en défendant la liberté religieuse, nous défendons une valeur qui est attaquée dans le monde entier aujourd'hui, qui est attaquée avec une extrême violence dans certaines régions. On a des estimations. Par exemple, 75% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté telle que nous la connaissons ici, la liberté religieuse, n'existe pas. On lit régulièrement qu'environ 200 millions de chrétiens sont marginalisés, discriminés ou persécutés. 200 millions. Cette année, j'ai lu un autre rapport qui disait qu'environ 150 000 chrétiens ont été assassinés, sont assassinés chaque année. 150 000. Et dans les territoires contrôlés par Daesh, en 2015, j'ai lu que 7 000 chrétiens avaient été massacrés. 7 000. En 2008, lorsque les fanatiques hindous ont attaqué les chrétiens dans l'état d'Orissa, en Inde, nous avons cru que c'était une sorte de sursaut, mais que nous allions vraiment vers plus de liberté. Et je me souviens de la lettre que j'avais reçue de nos amis sur place, un témoignage, et je vous le lis. Quand la foule se dirigea vers notre église, les chrétiens s'enfuirent dans la forêt. Le pasteur Naik, 48 ans, se tenait devant l'église pour la protéger. Il fut décapité. Son épouse subit de graves sévices. Sa mère avait 70 ans, aurait été brûlée vive. Et quelque temps après, un de mes collègues visitait cette même église. Et il écrit, « Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé nos membres rassemblés sous un arbre, à côté des murs de l'église qui avaient été brûlés, et des ruines de l'une de leurs maisons. J'ai reçu des témoignages similaires quand j'ai voyagé en Indonésie, dans une région, la région d'Ambon, où chrétiens et musulmans s'étaient entretués pendant plusieurs années. Témoignages terribles. Et aujourd'hui, d'après un rapport aussi qui nous vient des pays sous le contrôle de Daesh, je lis, les chrétiens sont tués, massacrés, battus, enlevés, torturés ou rançonnés. C'est aujourd'hui, ce n'est pas en 2008 ou en 1600, c'est aujourd'hui. Ils sont emmenés en esclavage, convertis de force, victimes de mariages forcés et de traite des êtres humains. Les enfants sont également recrutés de force. Les églises chrétiennes et les sites religieux sont vandalisés. Vous comprenez pourquoi il est si important dans notre monde actuel de prendre une position ferme par rapport à la liberté religieuse, pas seulement pour nous, mais pour tous. En tant que chrétien, il est évident que notre motivation essentielle lorsque nous défendons cette liberté
n'a rien à voir avec la question majoritaire ou minoritaire. Elle s'inspire de l'Écriture. Elle s'inspire de l'exemple de Jésus. Et je voudrais prendre juste trois exemples sur l'attitude de Jésus par rapport à cette liberté de choix. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Luc nous rapporte le refus d'un village de Samaritains d'accueillir Jésus et ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient à Jérusalem, autrement dit, parce qu'ils étaient juifs. Jacques et Jean veulent se venger. Ils proposent de prier Dieu d'envoyer le feu du ciel sur le village. C'est quand même intéressant pour des disciples de Jésus de voir comment on peut réagir par rapport à la décision d'un village. On peut appeler ça de l'intolérance, du fanatisme, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir comment Jésus va réagir. Comment Jésus réagit-il en face du terrorisme ou du fanatisme religieux ? Luc chapitre 9, verset 55. Il se tourna vers eux, les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Il s'oppose avec vigueur au fanatisme. Pour lui, c'est l'esprit du mal qui l'inspire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Seigneur dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver ». L'épisode se termine par cette phrase, et j'aime beaucoup cette phrase, « Et ils allèrent dans un autre bourg ». Pas de revanche, pas de menace, simplement on respecte la liberté de choix. Et la première leçon que j'en dégage, c'est que personne n'est obligé ou forcé d'accueillir Jésus dans son pays, dans son village ou dans sa communauté. On est libre. Deuxième exemple, la liberté de suivre Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 16, Matthieu nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche. Il croit à la vérité, il aspire à la vie éternelle. Et Jésus lui indique le chemin à suivre. « Vends tout ce que tu as, tout tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. » C'est tout. Pas de pression, pas de manipulation, pas d'autoritarisme. Seulement une invitation, un appel. Viens, suis-moi. Le jeune homme décline, vous connaissez tous l'histoire, il décline l'invitation, il s'en va, et Jésus le regarde partir, mais il respecte son choix. Leçon numéro 2, le Seigneur ne force personne à le suivre. Si nous sommes ici ce matin, nous le sommes librement. Personne n'est contraint de suivre le Seigneur. Exemple numéro 3, la liberté de quitter le Seigneur. Jean chapitre 6, versets 66-67. Nous sommes libres de suivre Jésus, mais nous sommes également libres de le quitter à tout moment. Il n'y a pas d'engagement définitif. Je n'ai pas pris un engagement pour la vie et si je le romps, je suis maudit à jamais. Non. Je suis libre de suivre, libre de partir. L'évangile de Jean nous rapporte au chapitre 6 l'une des crises majeures dans le groupe des disciples. Jésus sait que la foule de ses proches et ses disciples veulent faire de lui le roi d'Israël. Mais ce n'est pas sa mission. Il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour être le roi d'Israël. Alors déçus, mécontents, les disciples s'en vont les uns après les autres. Et dès ce moment, dit la Bible, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Vous savez, pour un leader, pour un meneur, voir ses disciples quitter, c'est simplement une trahison. Alors parfois, je me pose la question, mais comment Alexandre le Grand, César, Napoléon ont-ils réagi dans une situation qu'ils ont rencontrée, situation extrême, les gens vous quittent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les grands chefs de l'époque ? Ouais, la réponse est simple, ils ont exécuté. Les traîtres, vous êtes avec moi, vous n'avez pas le droit de me quitter. Je vous exécute, vous êtes des traîtres. Eh bien, que fait Jésus ? Il respecte leurs décisions, pas de menaces, pas de malédictions. Vous ne partagez plus ma vision, mes objectifs, vous voulez partir, vous êtes libre. Avec regret, avec peine,
Il consent à leur départ. Et le groupe des 12 observe. Vont-ils rester, eux ? Vont-ils partir ? Bien sûr que Jésus a besoin d'eux. Il souhaite qu'ils restent. Il voit leur avenir, il voit leur mission, il les voit évangéliser le monde. Il sait qu'un jour nous parlerons d'eux ici à Collonges-sous-Salève, 2000 ans après. Il veut qu'ils restent avec lui. Il les a appelés, mais il les regarde. Et sans artifice, sans aucune imposition, il leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Pas de chantage, pas de manipulation, simplement une question, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Et tous, nous connaissons la très belle réponse de Pierre. Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Réponse d'un homme libre, réponse qui honore son Créateur et qui honore la créature. Sa liberté et son choix font honneur à la vérité. Alors la troisième leçon, c'est nous sommes libres de quitter Jésus, mais nous ne devons pas oublier que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voyez, le fait d'être pour la liberté religieuse ne veut pas dire que subitement on n'a plus de conviction, qu'on n'a plus rien à partager. Non, nous sommes pour la vérité, pour la liberté, mais nous reconnaissons à chacun le droit de partager ce qu'il ou elle considère être la vérité. C'est ça, la liberté religieuse, selon le principe du Seigneur, tout ce que vous voulez que les autres fassent, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, je crois réellement que le temps est venu de dire un grand merci, plein de reconnaissance, pour cette liberté que nous avons, qui nous a été donnée. Et c'est pourquoi nous avons ce festival, et c'est pourquoi il y a dans le monde entier des festivals de la liberté religieuse. C'est un moment historique, comme je l'ai souligné, parce que souvent l'histoire commence par des événements, pas nécessairement des grands événements, mais des événements qui grandissent comme une semence, qui se prolongent et qui à la fin changent l'histoire du monde. Peut-être vous allez me poser la question, mais que faire ? Il faut prier pour ceux qui sont persécutés. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas persécutés, on a des problèmes, comme tu l'as signalé ce matin, Ophélie, plein de problèmes, dans les universités, dans les écoles, mais on est encore vivants, il faut prier pour ceux qui sont persécutés, ceux pour qui l'alternative à la fidélité, c'est la mort. Ensuite, il faut informer le public, c'est pourquoi on a besoin de votre contribution, de votre participation, le public, les autorités sur l'état de la liberté religieuse dans le monde et dans nos pays. Et soutenir les activités en sa faveur, pour mobiliser les croyants, pour dire publiquement merci à Dieu à notre pays. Vous savez, quand on a rencontré au Brésil le gouverneur et d'autres, dans d'autres États, des ministres, etc., et qu'on leur a parlé de notre projet, mais alors pourquoi vous rassemblez des gens, à quoi ça sert ? On dit, c'est pour dire merci. On nous regarde avec des grands yeux, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ? Non, c'est simplement pour dire merci. Alors tout ça pour dire merci, mais on ne nous a jamais dit merci. Personne n'est jamais venu dans ce bureau pour me dire merci parce que vous protégez ma liberté. En soi, c'est un événement. Un peuple qui soudain se rappelle qu'il a reçu un cadeau et maintenant le temps est venu de dire merci. Et je crois que Collonges a une place particulière, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas dans le monde adventiste d'église et d'université aussi mieux placé que Collonges pour prendre la tête de ce grand mouvement. Voyez, frères et sœurs, que nous soyons une minorité ou une majorité, cela ne devrait rien changer. Jésus était majoritaire dans le ciel et il a respecté la liberté. Et Jésus était minoritaire sur la terre et il a encore respecté cette liberté. Car avant toute chose, avant d'être une question de majorité et de minorité, ce sont les paroles du Seigneur qui font pour nous la différence.
ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen.
Vous aurez l'occasion d'applaudir encore Richard cet après-midi. Vous aurez aussi l'occasion cet après-midi de réfléchir encore un peu plus loin sur ce thème-là, liberté religieuse ou menace dans le monde, la situation en France avec plusieurs exposés, la place de l'ONU, que pouvons-nous faire, et un exemple de ce qui a été vécu en Suisse. On aurait pu aussi demander à une action dont nous avons souvent des nouvelles ici à Collonges avec l'ACAT, l'action des chrétiens contre la torture. Et aussi donc une table ronde qui sera animée pour réfléchir ensemble. J'invite maintenant les diacres à passer pour les offrandes, pour remercier notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné le privilège de vivre dans une région, dans un pays où nous avons la liberté de nous réunir, de t'adorer, de partager notre foi, de l'enseigner à nos enfants, d'établir des écoles, de contribuer financièrement, sans que nous soyons mis sur une liste noire ou sans qu'il y ait des policiers à la sortie pour nous arrêter. Alors que nous voyons dans le monde actuellement tant de pays qui sombrent dans la violence, l'intolérance, la persécution, nous sommes encore dans un pays, dans une région de liberté. Merci, et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Merci Seigneur, et merci au pays dans lequel nous vivons. Te demandons, notre Dieu, d'être des ambassadeurs de ton amour, des ambassadeurs de ta paix, mais aussi des ambassadeurs de ta liberté, de la liberté religieuse pour tous et partout. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
remercions le Seigneur pour la liberté que nous avons de pouvoir parler de lui. Alors, levons-nous et portons l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi. Je vous invite à recevoir la lecture de la bénédiction de Dieu. Soyez dans la joie, tendez à la perfection, exhortez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons-en.